Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien de Ciel Bleu. Vous êtes en train de regarder cette vidéo parce qu'en ce moment, avec l'actualité, c'est difficile pour nous de se déplacer jusque chez vous afin de faire les séances de gymnastique auxquelles vous avez l'habitude. À la place, nous vous proposons cette petite vidéo pour que vous puissiez continuer à garder la forme et à pouvoir pratiquer. Les séances vont se passer comme d'habitude, hein, avec un échauffement en premier temps, puis le corps de la séance et un dernier temps à base d'étirements pour le relâchement. La seule différence, c'est que je ne suis pas ici présent avec vous, mais seulement par l'intermédiaire donc de cette vidéo pendant laquelle je vais vous expliquer tous les exercices. Eh bien, je suggère que nous commencions avec les étirements. Allez, pour commencer, place à l'échauffement. Nous allons donc faire les articulations du haut pour aller jusque tout en bas. Donc, tout en haut, on commence par la tête qu'on va mobiliser en faisant des gestes de regarder à gauche, à droite, comme si nous nous apprêtions à traverser la route. Bon, voilà, hein, y a juste la tête qui bouge, ça sert à rien d'aller trop loin, de vouloir regarder jusque derrière. On se contente de regarder les épaules et la coupe de cheveux de ses voisins de gauche et de droite. Ah là, quand la tête a bien bougé, on peut remettre la tête de face. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse, on va mettre la tête en haut et en bas. Comme si on faisait un grand oui cette fois. Voilà, c'est parfait. Donc toujours, on peut faire des grands oui, ça sert à rien d'aller regarder derrière soi, trop loin, il y a juste la tête qui bouge. On fait comme si on regardait les pommes tombées de l'arbre. C'est super. Une fois que la tête a bien bougé, on peut la remettre droite. Et on va passer aux épaules. Alors, les épaules, on va faire ça comme ça. On va mettre les mains aux épaules, les tendre devant, aux épaules, sur les côtés, aux épaules, en haut, et on continue la boucle devant, épaule, côté, épaule, en haut. Voilà. Enfin, qu'on a trouvé le bon rythme, on lâche rien, on continue toujours devant, épaule, côté, épaule, en haut, et on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, épaule, côté, épaule, en haut, épaule, devant, épaule, côté, épaule, en haut, épaule, devant, épaule, côté, épaule, en haut. Ouh, j'ai failli me faire avoir. Allez, on lâche pas. Encore un. Et devant, côté, en haut, épaule, on relâche. Super, les épaules ont bien travaillé. On va pouvoir passer aux coudes. Les coudes, comment on va faire? On commence par le bras droit. On met le coude dans la main. On agrippe une corde parce qu'on manipule un lasso qu'on fait tourner, 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 tourner. Qu'on brandit, qu'on fait tourner. On se prépare à rattraper la vache qui est en train de se sauver au fond. Ah là, c'est super. Et le lasso, parce qu'on le maîtrise super bien, on peut le faire tourner dans un sens, mais on peut aussi le faire tourner dans l'autre. Donc voilà, on n'hésite pas et on fait des grands gestes. C'est super. Et on est des cow-boys tellement agiles qu'on peut faire tournoyer le lasso de la main droite, mais on peut faire aussi tournoyer de la main gauche. Donc comment on fait? Toujours, on tend le bras gauche devant, on met la main au niveau du coude gauche, et pareil, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner dans un sens le lasso pour qu'il reste bien ouvert. Et une fois qu'on l'a bien fait tourner, on le fait tourner dans l'autre sens. Vous allez sentir, ça chauffe un petit peu les bras, c'est normal. Voilà, c'est parfait. Maintenant, les coudes sont bien échauffés, on va pouvoir passer aux poignets. Pour faire les poignets, donc, comment on va se débrouiller? On met les mains l'une sur l'autre, on croise les doigts et on va faire des gestes. Voilà, on fait tourner les poignets dans tous les sens possibles et imaginables. Comme si on venait se laver les mains, ça tombe bien. On a besoin de le faire en ce moment. C'est important. Voilà.
Donc les poignets, c'est comme pour la tête, pas la peine de faire des trop grands gestes. Si vous sentez que ça craque, faites-en des plus petits. Mais n'hésitez pas à les faire tourner, bien sûr. Ah là, c'est super. Une fois que les poignets sont chauds, on arrête de les faire tourner, on va faire les doigts. Et pour réchauffer les doigts, comment on fait? Et bien après s'être lavé les mains, on se les égoutte. Donc, on ferme tous les doigts, on ferme bien la main complètement et on ouvre tout d'un coup. Et on referme et on ouvre. Hop! Comme si on venait donc s'égoutter les doigts après s'être lavé les mains. Ceux qui ont de l'imagination, ils pourront penser qu'on lance des sorts comme ça, comme une sorcière aux gens qu'on n'aime pas. C'est le même geste, faites-vous plaisir. C'est comme vous voulez. Hop là, les doigts, ils chauffent vite. On va bon pouvoir s'arrêter et on aura fait une grosse partie du haut du corps. On va pouvoir passer au bas du corps, les jambes, les petits abdos, le dos. Et pour ça, on va commencer par les jambes et hop, on va venir faire comme si on était en train de marcher, mais on marche assis donc. On fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et faut que ça fasse du bruit, hein. N'ayez pas peur. Voilà, donc on est parti sur une randonnée de 40 km jusqu'à Nancy, mais sans se déplacer de sa chaise. C'est merveilleux quand même. Allez, on va essayer de monter les genoux un petit peu plus haut, histoire de travailler un petit peu les abdos aussi. Hop. On fait des grands gestes. On monte les genoux le plus haut possible. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On peut repartir sur de la marche normale, tranquille. Mais là, malheureusement, il y a un truc derrière qui nous fonce dessus, donc on va devoir accélérer. Il faut courir, il faut courir, il faut courir, donc allez-y. Battez des pieds le plus vite possible. Je veux sentir la terre trembler jusque chez moi. N'ayez pas peur. Allez, on tient encore 4 secondes. 3, 2, 1. On relâche. On peut poser les pieds, les jambes vont bien travailler. On va pouvoir passer maintenant en bas aux chevilles. Comment on fait pour ça? On tend la jambe devant et on fait des ronds avec la cheville. C'est la pointe du pied qui bouge et on fait des ronds. Super. Alors, comme tout à l'heure avec le lasso, on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Ah, c'est parfait. Bon, ça chauffe vite un petit peu la cuisse, hein, de rester le pied en avant. Donc, on va reposer le pied bien au sol, tendre l'autre, et c'est reparti. On refait des ronds. Et toujours, hein, on fait dans un sens, puis après, quand ça commence à chauffer, eh ben, on fait dans l'autre. Hop là, allez-y, changement de sens. Super. Les pieds tombent bien, les pieds tombent bien. Allez, on peut reposer les pieds. Voilà, l'échauffement est terminé. On va pouvoir passer à la suite, la vraie séance. Très bien, alors comme premier exercice, on va commencer par un petit peu de mobilisation des membres supérieurs et inférieurs. On va commencer par l'exercice du 400 mètres 4 nages. Nous sommes donc des nageurs olympiques, sauf que nous ne sommes pas à la piscine, nous sommes ici. Alors, le 400 mètres 4 nages, qu'est-ce que vous connaissez comme nage? La première, on va partir sur le crawl. Alors, le crawl, est-ce que vous savez comment on fait? À tous se mettre d'accord, le crawl, on part les deux mains au-dessus de la tête bien haut et on va faire des mouvements de rotation vers l'avant comme si on cherchait à attraper un objet loin, 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 loin devant. Ça, c'est le mouvement
de bras du crawl. Pour le mouvement de jambes du crawl, il s'agit de petits battements avec les pieds. Voilà, très bien. Pointe de pied le plus loin possible et les jambes qui font des allers-retours, tout petits allers-retours. Pour la brasse. Alors, la brasse, on commence la main collée à la poitrine, enfin les paumes de main collées à la poitrine. On tend les bras le plus loin possible devant et ensuite on va chercher sur les côtés pour rabattre les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et on répète ce geste. Voilà, c'est très bien. Et pour les jambes, comment ça se passe? Les jambes, on va faire des gestes sur les côtés, faire des ronds comme ça avec les pieds en écartant puis en serrant les cuisses. Toujours pointe de pied bien tendue, c'est important. Ensuite, nous avons le papillon. Le papillon, comment ça se passe? C'est un petit peu comme le crawl. Donc, on commence dans la même position, les bras au-dessus de la tête. Et ensuite, on va faire pareil, chercher un objet loin devant. Sauf que cette fois-ci, on y va avec les deux mains en même temps. Voilà, ça, c'est le mouvement de bras du papillon, qui est une des nages les plus difficiles du monde. Hein. Voilà. Et pour les jambes, eh bien, c'est la même chose. On tend les deux jambes comme en crawl, pointe de pied en avant. Sauf que cette fois-ci, les battements, les pieds se touchent. Ils ne se décollent jamais. Voilà, super. On appelle ça des ondulations. Et enfin, il nous reste le dos crawlé. Le dos crawlé, comment ça se passe? On va partir les bras le long du corps et on va faire le geste inverse du crawl. Donc on part du bas vers le haut. Comme si au lieu d'aller chercher un objet, cette fois-ci on cherchait à l'envoyer promener au loin comme ça. Voilà, ça c'est pour le mouvement de bras. Maintenant le mouvement de jambe, celui-là il ne change pas. Jambe en avant, un pied en haut, un pied en bas et on met des petits coups comme ça. Toujours en tendant bien la pointe de pied. Voilà, ça, c'est pour les quatre petites nages qu'on va faire. Alors, comme c'est assez difficile de faire tout en même temps, je propose qu'on commence notre 400 mètres 4 nages avec déjà les mouvements du haut du corps. Alors, allez-y avec moi, on va commencer par les mouvements du crawl. Le crawl, est-ce que vous vous souvenez comment c'était? Allez, je le fais avec vous. On commence avec les bras le plus haut au-dessus de la tête possible. Donc, faites ça à hauteur de ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas dresser les mains aussi haut que moi, ce n'est pas bien grave. Et ensuite, on fait le geste d'aller chercher un objet qui est loin devant. Hop, et on ramène les mains l'une contre l'autre en haut. Hop, voilà. Donc on commence doucement avec le geste des bras. Allez-y avec moi. On va essayer de l'accélérer un peu parce que 400 mètres 4 nages, ça reste une course. Hein. Donc hop, il faut aller vite. Hop, hop. Super. Ok, on a fait notre 100 mètres en crawl. Maintenant, passons au mouvement de brasse. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment c'était? On commence la paume des mains sur la poitrine, on va chercher loin devant, on part sur les côtés et on revient. Allez-y avec moi. Alors, en brasse, c'est une nage tranquille, hein, c'est la nage des écoliers, donc au début, on va doucement. C'est petit à petit qu'on peut accélérer. Mais ça reste une course, donc il faut accélérer. Allez-y, de plus en plus vite avec moi. Hop là, super, on a atteint nos 100 mètres, c'est parfait. On va passer au mouvement de papillon, vous vous en souvenez, pour les bras, le papillon. Alors, on met les deux bras en haut, on va chercher loin devant les deux bras en même temps, et on revient en place. Allez-y avec moi. Ok, c'est bien. Allez, tout le monde y est. On va essayer d'accélérer. L'objectif, c'est de rattraper Laure Manaudou qui est 2 mètres devant nous. Elle a une demi-seconde d'avance, mais une demi-seconde, c'est énorme. Donc, il faut accélérer. Ok, et il nous reste plus que pour les bras, le dos crawlé. Donc, allez-y avec moi. On lève un bras au ciel.
Et on échange. Voilà, en faisant le geste en avant comme ça. Super. C'est peut-être difficile pour certains de faire le geste, hein. Une fois de plus, si vous ne pouvez pas monter très haut avec vos bras, allez-y comme vous pouvez. C'est de l'activité physique adaptée. On y va en fonction des capacités de chacun. Super. Allez, ça c'était la première partie de notre 400 mètres, mais maintenant il faut qu'on fasse un petit peu les jambes, on ne les a pas mobilisées. Alors, on a commencé tout à l'heure par le crawl. On va mettre les jambes en position de crawl, c'est-à-dire on tend les deux jambes, pointe de pied le plus loin possible, et on fait des petits battements comme ça, des petits coups de pied, droite-gauche, 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 droite-gauche. Voilà, c'est parfait, allez-y, tous avec moi, on fait la même chose. On commence doucement. On essaye d'accélérer, toujours des tout petits coups, des tout petits coups, des tout petits coups, des tout petits coups, des tout petits coups. Allez, encore 2 secondes. Une. Ok, on pose. Attention, celui-là, c'est le mouvement difficile, le mouvement des pieds de la brasse. Donc, on écarte les jambes et on les serre en avant et on fait des ronds avec les pieds. Tout le monde n'y arrivera pas forcément. Si c'est trop difficile, si vous avez mal aux hanches, je vous invite à prendre une petite pause. Hop là. Allez, 3, 2, 1, 0. Ok, on pose. On fait maintenant le papillon avec les jambes. Donc, comme en crawl, on tend bien les pointes des pieds en avant et cette fois-ci on bat des deux pieds en même temps. Allez-y avec moi. Hop là. Allez, 4, 3, 2, 1, 0. On pose les pieds à plat. On va partir sur le dos crawlé. Le dos crawlé, c'est comment? C'est comme pour le crawl. On tend les deux jambes en avant. Et cette fois-ci, c'est droite-gauche en alterné qui monte et qui descend. On fait des petits coups, 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 des petits coups. On va essayer d'accélérer maintenant. C'est le sprint final. En dos crawlé. Ok. On pose à plat. Allez, on va souffler un petit peu et cette fois-ci, on va refaire le 400 mètres. Mais on va essayer de faire dans la foulée le mouvement de bras et le mouvement de jambes de la même nage plutôt que de faire tous les bras puis toutes les jambes. Donc, maintenant qu'on a bien soufflé, c'est reparti. On commence par le crawl avec les bras. Allez, hop, en position, toujours les mains au niveau des... au-dessus de la tête. Et on vient chercher loin, 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 on fait des mouvements, voilà, de traction sur les bras. Super, faites bien comme moi. Pas obligé de monter aussi haut toujours. Très bien. Donc ça, c'est le mouvement de bras. Maintenant, c'est les jambes qui se déplacent, les petits battements, on tend les jambes. Et c'est parti. Allez, 4, 3, 2, 1, 0. On pose. Maintenant, la brasse. Hop, on met la paume des mains l'une contre l'autre et c'est parti. On fait les mouvements. Ok. Et les jambes. Attention, c'est le mouvement difficile. On écarte les jambes et les pieds. On va chercher loin devant. On les recolle et on tire en arrière. Et on recommence. Et on fait ça plein de fois. 4, 3, 2, 1, 0. On va passer au papillon. Alors le papillon, les bras, ils font le mouvement du crawl, mais en même temps, voilà, ils sont synchronisés. Hop, c'est super. Allez, encore 4 mouvements. 3, 2,
Les jambes en papillon, on tend les deux pieds en avant et on les fait battre en même temps, comme une sirène. Nous sommes des belles sirènes, je trouve, hein, magnifique. Ariel n'a qu'à bien se tenir. C'est parfait. Le petit dernier, le dos crawlé. Un bras en haut, conchasse en arrière. C'est super. Et on continue ce petit mouvement. On est quasiment à la ligne d'arrivée. Sauf qu'il faut qu'on travaille les jambes dans 3, 2, 1. On fait le mouvement des jambes. On tend les jambes en avant et on fait des petits battements. Allez, la ligne d'arrivée n'est qu'à 10 mètres. 9, 8, 7, 6, 5 mètres. 4, 3, 2, 1 mètre, 0 mètre. On pose. Allez, on va prendre le temps de souffler un coup de boire. Je vous laisse récupérer d'un petit instant et ensuite on va passer au prochain exercice. Très bien, nous allons donc maintenant passer à une partie de renforcement musculaire. Alors, on peut faire ces exercices sans matériel, mais dans l'idéal, si vous pouviez trouver un petit objet, une petite balle, ou encore mieux, une petite bouteille remplie d'eau pour que ça fasse du poids, ce serait parfait. Alors, on va pouvoir faire les exercices. Le premier exercice, je vous en fais la démonstration. On commence la bouteille tendue en avant, enfin l'objet tendu en avant, et on va le chercher sur les côtés et on fait un petit passage de main à peu près quand on est au milieu. Hop là. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez essayer de le faire en même temps que moi pour voir si tout le monde maîtrise bien le mouvement. Et quand tout le monde est bon, on va essayer de faire 10 passages au niveau des mains. Ça veut dire 5 allers-retours avec chaque main. Vous êtes avec moi? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on lâche pas, 7, encore, 8, 9 et 10. Allez-y, vous pouvez poser les bouteilles. Respirez
un coup, relâchez les bras. Normalement, ça chauffe un petit peu ici, là, dans les épaules et peut-être à l'arrière, dans le haut du dos. C'est normal, c'est prévu pour. On va souffler encore quelques petites secondes. Moi, pendant ce temps, je vous fais la démonstration du prochain exercice et vous allez pouvoir le reprendre dans la foulée. Le prochain exercice, on va essayer de faire la même chose, des passages de bouteilles d'une main à l'autre, mais cette fois-ci, je vais voir la bouteille qui se déplace tout autour de votre visage. De cette manière, un coup elle passe en haut, un coup elle passe en bas. On va essayer pareil de faire à peu près 10 passages de bouteille et ensuite on changera de sens de cette manière. Après une courte pause de quelques secondes. Alors allez-y, prenez les bouteilles, on les met en bas et c'est parti. Les deux mains vont en haut, on passe la bouteille, les deux mains vont en bas, on passe la bouteille et allez-y avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on se prend une courte pause, on relâche les bras, ça fait mal aux épaules, c'est normal, et dans 5 secondes, on repart. On se met en place et c'est reparti dans l'autre sens. Tout le monde y est? Ok, super. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, super, on relâche, on peut poser la bouteille, ça chauffe toujours dans les épaules, hein. Donc on va récupérer à peu près quelques petites secondes, une dizaine de secondes, ça me semble pas trop mal, et on va pouvoir repartir, mais en attendant, je vous explique la suite. Donc le prochain exercice, on met la bouteille dans la main, le bras le long du corps, on tend la bouteille le plus bas possible, et ensuite, on amène la bouteille toucher l'épaule. Alors, ça, c'est le beau geste. C'est le geste que je veux voir. Il ne faut pas que le coude bouge. C'est-à-dire que si le coude, il va là, si le coude, il fait ça, si le coude, il fait ça, si le coude, il part en arrière, c'est pas bon. Le geste, le beau geste, on devrait pouvoir se tenir le coude, le plaquer contre le corps s'il faut. Et voilà, il y a juste la main qui bouge pour amener la bouteille en direction du haut de l'épaule. On va partir sur une dizaine de répétitions aussi. Allez, tout le monde fait l'exercice avec moi. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on repose le bras, on change la bouteille de main et on fait la même chose. Donc ça c'est le beau geste, il n'y a que le bras qui bouge, on peut presque voilà, se tenir le coude. Le pas beau geste serait ça, ce serait ça, ce serait ça, ça je veux pas voir. Donc allez-y, mettez-vous en place si vous avez besoin, voilà, vous vous tenez le coude avec moi et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Le prochain exercice, vous vous récupérez. Moi, je vous fais la démonstration tout de suite. On met les genoux, la bouteille entre les genoux, on serre les genoux. On avance les fesses et on vient, voilà, monter les genoux pour tous ceux chez qui c'est possible. S'il y a des personnes pour qui c'est trop difficile, qui n'arrivent pas à monter les genoux, on peut le faire sans la bouteille. Bon, là, on la pose sur le côté, voilà, comme ça. Et on fait la même chose, comme ça on n'a plus besoin de serrer les jambes. C'est déjà un petit peu plus facile. Si c'est encore trop compliqué, on fait ça un pied après l'autre. Et là, ça devient très facile. Si encore là, c'est trop compliqué, eh bien, on se prend une petite pause, on en profite. Moi, je me mets dans la situation difficile.
Vous vous faites comme bon vous semble. Allez, on coince la bouteille entre les genoux. On ravance les fesses, faut pas que le dos touche l'appui. Et c'est parti. On monte les genoux, on fait ça 10 fois aussi. Tout le monde est avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ça devient difficile, 3, 2, on pense bien à respirer, 1, 0. Difficile pour les abdos, hein. Allez-y, on pose la bouteille, on va se prendre un petit temps de récupération encore, vous l'avez bien mérité. Pendant que vous récupérez, moi je vous montre le dernier exercice de la série. C'est la même chose, on coince aussi la bouteille, mais cette fois-ci pas entre les deux genoux, mais entre les deux pieds. Alors, ça peut être difficile, la bouteille elle peut se sauver, faut pas hésiter à serrer fort les jambes, serrer fort les pieds. Et l'exercice, il faut tendre les deux jambes en avant et reposer. Et on fait des répétitions. Alors, vous allez le sentir dans le devant des cuisses. C'est normal, on travaille le muscle quadriceps. Allez, on va essayer de faire une dizaine de répétitions aussi. 10. Allez-y avec moi. Voilà. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On peut reposer. Pas évident de reposer la bouteille juste avec les pieds. N'hésitez pas à vous aider des mains pour relâcher la bouteille. Allez, j'espère que vous avez bien récupéré, que vous avez pensé à boire, parce qu'on va passer à la suite. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? La bouteille, on va la mettre au-dessus de la tête, bien haut, bien haut, bien haut. Puis, l'exercice, ça va consister à prendre cette bouteille au-dessus de sa tête, la baisser, la redescendre pour la secouer très fort comme ça. Comme si on essayait de faire tomber certains shampoings restés coincés dans la bouteille, mais qui ne veut pas descendre. Allez! Allez-y avec moi, on va essayer de tenir encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on respire normalement,
Vous sentez, ça chauffe un petit peu ici, là, derrière le bras. C'est le muscle triceps. Allez, on récupère bien. On va faire la même chose avec l'autre main. Donc, on prend sa bouteille. J'espère que la vôtre ne fuit pas comme la mienne, en tout cas. On la met au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Et c'est parti. On secoue la bouteille. Allez, avec moi. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on respire. Ça chauffe derrière les bras? J'espère bien, hein? C'est l'objectif. Allez, le prochain exercice. On prend toujours sa bouteille dans une main. Cette fois-ci, elle nous sert de gant de boxe. Et allez-y, on regarde devant soi, une main en parade, le gant de boxe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change cette fois-ci en passant direct du gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Allez, je vous laisse récupérer encore deux petites secondes et ensuite on va continuer la boxe. Mais on va changer le type de coup de poing qu'on donne. Alors, moi je vous fais la petite démonstration. Pendant que vous récupérez toujours la bouteille, on la tient comme ça. Toujours une main en défense. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On fait des petits crochets du droit. On change la bouteille de main, on change de garde, on se met en place et c'est parti. 10 coups de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, là on sent ça chauffe un petit peu l'épaule, le bras, un petit peu partout. On va changer de discipline sportive, cette fois-ci on va faire de l'aviron. Donc la bouteille, elle nous sert de rame. On la met loin devant soi et on vient tirer, ramener la bouteille contre la poitrine et on pousse. On tire et on pousse. On va essayer de faire ça une dizaine de fois aussi. Tout le monde fait l'exercice avec moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va prendre une petite pause. N'hésitez pas à poser la bouteille, à respirer un grand coup. Le prochain exercice, je vous en fais la démonstration et vous pourrez le faire juste après moi. Alors, le prochain exercice, on va mettre la bouteille par terre justement, tendre les bras en sa direction, se baisser, ramasser la bouteille en se redressant. Il est important de garder le dos droit, je peux vous faire la démonstration de profil comme ça. On pose la bouteille et on la récupère. Et voilà, c'est ce geste que je veux voir. Celui-là est peut-être un petit peu plus difficile, donc on va essayer de le faire un total de 5 fois. Allez-y, vous vous mettez comme moi, les mains entre les jambes qui tiennent la bouteille. On va chercher la bouteille et c'est parti. On la pose au sol, on la remonte. 1, 2, 3, si la bouteille ne touche pas le sol, c'est pas grave. 4 et 5. Super. On va faire un dernier exercice et ensuite je vous laisse tranquille. La bouteille, on la met toujours entre ses jambes, on la tient à deux mains, mais cette fois-ci c'est une pompe. On la monte bien haut jusqu'aux épaules et on la redescend. Hop là, vous allez le sentir dans les biceps et un petit peu dans le dos. Allez, tout le monde fait le merveilleux geste de la pompe à eau.
Allez, ou la pompe à vélo, comme on préfère. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, messieurs, dames, ce sera bon pour nous. Vous pouvez poser les bouteilles et on va pouvoir passer à la suite. Très bien, pour finir cette séance, nous allons passer aux étirements, histoire de pouvoir relâcher les muscles du corps avant de s'arrêter de faire de la gym. Alors, pour les étirements, on va faire l'étirement, le petit étirement du matin, c'est celui que j'aime bien. Donc, on commence en croisant les doigts, les pouces vers la poitrine, et on vient tendre les mains entre les jambes le plus bas possible. Une fois qu'on est tout en bas, en gardant le dos droit, bien sûr. On va venir en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. On essaye de pousser quand on est devant le plus loin possible, comme si on voulait repousser les murs pour agrandir la salle. On souffle un grand coup. Et maintenant, on va essayer d'aller le plus haut possible. Le plus haut possible, on prend une grande inspiration pour se grandir. On tient une, deux. 3 secondes. Et on relâche. Dans la continuité, les mains viennent se placer sur le haut des cuisses. On tend les jambes en avant. Et on va faire glisser les mains le long des jambes tout en gardant le dos le plus droit possible. Donc, si vous réussissez à atteindre le bout de vos pieds, c'est merveilleux. Si vous n'arrivez qu'à atteindre le bas de votre jambe ou quoi, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est de tenir cette position pendant 3 petites secondes et de souffler en relâchant doucement. On va passer au niveau des muscles fessiers. Donc, on vient attraper son genou en croisant les doigts. On essaye de le ramener au niveau de la poitrine le plus haut possible. Et on tient une, deux, trois secondes en soufflant et en relâchant. On va faire l'autre jambe. On attrape son genou en croisant les doigts. On le monte bien haut à la poitrine. On tient cette position pendant une, deux, trois secondes en soufflant et en relâchant. On va essayer d'étirer un petit peu sur les côtés des abdominaux. Pour ça, on va aller mettre les bras le long du corps et se pencher d'un côté. Comme si on allait ramasser la télécommande qui est tombée. On sent, ça tire tout là. On tient une, deux, trois. On remonte, on se redresse et on fait pareil de l'autre côté. On va chercher la télécommande de l'autre côté. On sent cette fois-ci, ça tire ici. Une, deux, trois. Et on remonte.
Mesdames, messieurs, j'espère que cette séance vous a plu. Je suis vraiment désolé de ne pas être ici avec vous pour pouvoir la partager. Mais en tout cas, j'espère que le format de la vidéo vous convient. Si c'est le cas, vous m'envoyez ravi. Et dans ce cas, moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est vous souhaiter de vous porter au mieux en attendant la prochaine séance. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, donc dans une prochaine vidéo. Au revoir!